nan gran mwen gade domine aktualite a premier ministre haïtien Ariel Henry ki empêche aux États-Unis remettre démission officiellement par conseil des ministres avant conseil présidentiel transition prêté serment et installé dans palais national. Cour suprême États-Unis entendé argument si oui ou non yon président gen immunité pour crime d'état commettre pendant li sous pouvoir. La police a arrêté plusieurs dizaines étudiants dans plusieurs universités États-Unis qui ont manifesté contre attaque Israël à planser contre population palestinienne dans le territoire Gaza. Effectivement, c'est dans quelques points que nous avons développé pour le journal jeudi, mais nous rappelons que jeudi, c'est jeudi. Nous remercions le fait que vous branchez sur nous. Et que nous continuons avec l'actualité à côté, nous parlons de la nouvelle concernant le pays d'Haïti, premier ministre haïtien, premier ministre AI, ou bien c'est premier ministre AI, haïtien Ariel Henry, qui a empêché aux États-Unis, et bien, nous remettons démission en ligne, par le conseil des ministres avant même que le conseil présidentiel transition, prêté serment, et installé dans l'appareil national en bas, en pile coup de fusil, nèg armé Emmanuel. C'est jeudi 25 avril 2024, là, membre conseil présidentiel yo installé, cérémonie installation déroulée en deux temps. D'abord, grand bonnet dans matin dans palais national à la surprise générale. Ensuite, dans villa d'accueil, sous Boudon, yon quartier qui trouvait la commune Pétionville. Dans présence divers invités, représentants partis politiques, société civile, représentants corps diplomatique et consulaire, premier ministre à e-gouvernement sortant, Michel Patrick Boisvert, mandé même conseil présidentiel yo pour faire preuve de dépassement dans l'idée pour lever quantité de défis captain yo. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Régine Abraham, qui t'apprend la parole dans nos conseils présidentiels, remercier contribution CARICOM, États-Unis et l'autre pays dans la mise en place conseil présidentiel. Madame Abraham, qui reconnaît situation critique, un engagement dans nos conseils pour travail pour remettre le pays en sous voie progrès. Nous-mêmes dans le conseil, ça, nous engagons dans la bataille ça, à côté des peuples haïtiens. Nous connaissons les pas facile, mais c'est ensemble, tout patriote qui est dans tous les pays pour nous coller les épaules pour lever l'extrême du pays. Après étape ça, même conseil présidentiel yo de réuni dans l'idée pour élire si là cap assurer coordination organe exécutif ça. N'a souligné grand bonnet nan matin primati rend public l'aide démission premier ministre Ariel Henry. Michel Patrick Boisvert bon côté pal nommé par arrêté en remplacement de docteur Ariel Henry. Gouvernement démissionnaire a expédié affaire courante jusqu'à nomination yon nouveau premier ministre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pour VOA Creole. Économiste Fridjan, qui représentait Accor Montana dans le conseil présidentiel, là, eh bien, lui-même, tout le temps, il y a quelques mots pour le public là. Chers amis de la diaspora, qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont, chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiens, haïtiennes, qui tout partout en d'un pays, et surtout toutes femmes, toutes six filles, nous connectent et subissent en pile bagaille pendant. Tant ça a passé, il continuait à subir un pile bagaille, un pile viol, viol collectif, viol individuel. Donc aujourd'hui, c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc nous levons nos verres, tous, pour le travail qui nous reste à faire à Haïti. Ici, aux États-Unis, l'administration américaine réagit après l'installation du conseil présidentiel transition. We join the international community in commending all Haitian participants in their process to establish a transitional presidential council. We welcome the swearing in of those nine TPC members today. Our ambassador to Haiti was present for the ceremony. In addition to that, Maison Blanche Lan, qui était John Kirby, qui a réagi et sous installation conseil présidentiel transition a déclaré, nous rejoignons la communauté internationale là pour féliciter tous les participants haïtiens dans le processus pour établir conseil présidentiel transition. Nous battons bravo pour investir 9 membres conseil là jeudi. Ambassadeur Noir en Haïti était présent dans la cérémonie. Mais tout ça, jeudi, a marqué une étape essentielle sous chemin pour organiser l'élection libre
crédible et honnête. Et bien entendu, nous avons livré la première cargaison d'équipement non mortel pour la police nationale haïtienne pour augmenter la capacité. Nous avons renouvelé l'accès à l'aéroport après qu'il ait passé un mois fermé et mesure qui prend jeudi à vis-à-vis une gouvernance exclusive ou bien inclusive doit bailler tout le monde espoir pour l'avenir en Haïti. Dans l'autre point de domine actualité, à correspondant nous dans Port-au-Prince, Matra Deauville, mais dit nous te gain un pile coup de balle qui t'a tiré dans le moment installation ou bien cérémonie prestation serment conseil présidentiel là qui t'est déroulé bonnet dans Palais National. Matra Deauville, mais. Sans toute qualité d'âme, t'es fait Mikalao dans le moment rentrée sortie t'as fait dans Palais National. Qu'est-ce que c'est? Citoyens et citoyennes qui réagissent sur l'installation 7 mamio disent pas espérer rien à conseil présidentiel transition. Mon ça moi pour dire c'est la même chose parce que gars a changé parce que c'est même là gars il a changé. Les petits jeunes nous ça fait mal même. Papa la vie avant moi me démouille qu'on n'a pas dit mais les petits jeunes pas parmi nous même pour ça qu'a plein du bail. Et nous même d'aller vivre mais malheureusement vivre la difficile. Ça pays a été là, le cacatou moule tombé là. Non, le conseil n'a pas en mise. Ça me dit qu'il n'a pas en mise. Ok, le conseil n'a pas en mise. Pour le blâle, pour le bail, ça. Le conseil n'a pas en mise. Cette maman vient de nous faire gagner. Nous-mêmes, qui malheureux, malheureux. Ça veut dire, nous cherchons les gens. Nous pigeons. Nous disons quand même, nous sommes là. Le problème, nous n'avons pas de problème, non. Nous avons des problèmes de sécurité. Pour quelques autres, défi capitaine pour voir transition si là, pas pitié. Même tout ça me demande pour conseil là, même pour tout le monde, ce qu'il est, entre la caillou, pour tout le monde, à fonctionner pour l'école ouverte, pour tout le monde à l'école. Et ça me demande un conseil là pour nous, pendant que nous vivons dans cette situation pas bon. Pour tout travail fonctionner dans le pays, pour gens, tout le monde vivre là pour vivre. Sécurité maintenant dans mes conseils là, précis. Je vais vous pour un changement pour le pays, parce que pour le monde, le métier, pour le système de pays, pour retirer nous dans tout problème, misère, pour être capable pour un changement dans le pays. Même si nous souffrons, nous avons de changement pour le pays. Même après la cérémonie prestation serment, coup de balle continue à chanter dans le palais national. Dans la même journée, les soldats FADH ont confisqué une machine bandit village dédié. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Marcel Vilmé pour VOA Créole. Après, nous finissons des réactions citoyens ordinaires, nous avons parlé des militants avec. Quelques leaders politiques tout ont une position différente sous installation même conseil présidentiel. Réaction département après prestation serment à installation même conseil présidentiel transition jeudi 25 avril 2024. Là. Ancien député Serge Jean-Louis, leader regroupement politique Force nationale pour démocratie FND, dit démarche ça. Pape abouti à solution peuple haïtien à chercher. Ça pas changé opinion, ça pas changé lecture de gain avant. Du tout. Moi, j'étais attaché avec positionnement que nous pensons la solution idéale, c'est la solution vers la Cour de cassation qui, à mon humble avis, t'a mené en transition et fait que, nous avons certaines neutralités, président, pour tirer de la Cour de cassation, qu'on certaines neutralités par rapport à ça gain-là, qui s'est composé des partis politiques, évidemment, qui est impartial. Résultat, pour moi-même, il y a un bail positif. Mais il y a un peu l'idée pour le conseil présidentiel de transition. D'un coup, par exemple, Abel Loriston, pasteur Gilio Théodore, Oxygène David, et challenger populaire Réginal Dumé, qui croit que, avec l'installation conseil, là, Haïti franchit un étape positive. Président, ce que vous voulez dire, on Haïti libre, on Haïti vivable pour chaque grand Haïtien. Je dis à moi, c'est un revirement qui se pose fait à travers tout l'autre acteur ou bien chef de parti par rapport avec problème pays, avec décision ça qui vient. Nous venons là, c'est-à-dire,
pour que nous capables de porter solidarité nous avec ces pays. Mais il n'y a plus de problème qui est important, c'est le problème de sécurité. En plus, les gens mourent, et nous avons un défi là pour résoudre le problème de sécurité. C'est une chose qui est prioritaire pour nous qui fait que présence nous, là, nous aujourd'hui. Ma proposé de collaborer, ma proposé de l'unité pour ne pas être pour Haïti d'abord. C'est ça que je me propose. Une semaine, nous avons choisi le premier ministre. Et le premier ministre a fait le travail avec tout le secteur dans la vie politique et pays pour que nous soyons capables de faire un gouvernement de consensus national pour que les gens qui sont là puissent acheter 14 versions qui sont partis pour faire la donne et puis nous retirer, nous mettre au l'autre monde et nous placer pour diriger. Laissez pas la paix, sécurité et organiser l'élection dans le pays pour nous finir avec la transition. Pendant ce temps, observateurs attendent incessamment décision appropriée qui permettre tout citoyen vaquer librement à activité comme ça doit sur toute étendue territoire national. N'a pas quitté pays d'Haïti, n'a pas entré dans New York, côté une belle génération communauté haïtienne dans New York qui au même tour une opinion partout sous installation Conseil présidentiel transition Valéry Saint-Louis. Conseil présidentiel de 9 membres arrivé installé jeudi à Port-au-Prince en Haïti. Un événement politique qui est intéressé et capable même affecter haïtiens qui vivent à l'étranger. Yo, dans la cour New York, nous t'ai rencontré ensemble avec Edens Deba et Mimi Pierre Johnson qui t'ai parlé dans micro VOA créole. Moi bien content que conseil là lui-même l'y installé et bien content tout que gain on autre page cap tourner dans l'histoire pays parce que et dernier page ça que nous sommes vivre là ensemble avec le gouvernement Ariel Henry et eh bien et c'était un mauvais page son mauvais page que personne et pas ta remet relit encore dans l'histoire pays maintenant est-ce que et conseil ça lui-même et bien il pral faire mieux et bien pas quoi personne gon boule cristal nan meyo pour ta gen temps prédit que il va le faire mieux moi pense c'est un bon bagage pour pays pour nous établir un système. So, m'pape dit comme ça qui est moun ki pi bon nan conseil là. So, moi crois que ça c'est première étape là pour nous gagner un commencement avec un système. Now, il faut que diaspora re-entre dans ça qu'a fait en Haïti. So, faut que nous très calé. Et qui a pas pensé que conseil présidentiel l'a fait sous nous même dans diaspora. Gen débat que me commencer ouais et que m'attendais par exemple et gen yon article accord que monsieur rejoint là eh bien yo ontijan et pas trop exigeant par rapport avec haïtien qui yo même dans diaspora et qui ont l'autre passeport par exemple yo dit que dans période transition hein eh bien haïtien qui gen l'autre passeport yo gen droit jouer un rôle quelconque yo gen droit premier ministre yo gen droit ministre dans période transition hein. Eh bien, le ça fait pour moi, je pense que nous avons commencé à ouvrir une porte. Une porte sous voie côté pour la diaspora à voter. Parce que c'est ça que nous avons cherché nous-mêmes. Pas de monde qui a venu de nous. C'est nous-mêmes qui pouvons aider le pays. Nous. Sauf que nous avons une chance pour avoir un travail pour faire. Nous supposé travail qu'on y a pour l'insécurité qui est en Haïti. Ça, c'est numéro un. Après ça, pour le travail avec l'élection, pour nous faire une élection. Ce qu'on y a, faut nous-mêmes dire que ça, c'est grand monde politicien que nous y est. Faut nous bon système. Faut moun yo qui signe, qui prête serment. Faut yo dire comme ça que qu'on y a, nous pas le travail. Et si yo pas travail, nous-mêmes qu'on y a, faut nous camper. Parce que gon papier qui, gon document qui dit comme ça que, mais ça nous pas le faire. Je dis à son gros pas, pour pays noir on bail pays a une chance et qu'on y a nous même comme diaspora on nous assurer que yo fait travail là parce que moi même besoin à Haïti même genre avec Edens Deba et Mimi Pierre Johnson haïtien qui vivent dans New York yo dit que yo très intéressé dans ça qui a passé dans pays d'Haïti jodi a conseil présidentiel 9 membres là arrivé installé un conseil présidentiel qui a gagné pour assurer transition ça qui pourra mener pays d'Haïti vers les élections. De toute façon, haïtien sa yo, yo di yo rete, yap gade, yap suiv, yo ta remè que situation pays yo range. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nap kite New York et nap descend Miami, kote nou pral jeune journaliste, Luxon Saint-Ville, ki li même ki plus réaction toujours sous installation sa. Réaction yo pas de printemps pour tomber, quelques temps seulement après installation conseil présidentiel transition. Hein?
VOA Creole t'a décidé de traîner micro dans la rue Miami avec Fort Lauderdale dans l'état Floride pour nous prendre impression citoyen haïtien. Bon, j'aime de la même pas faire politique mais m'a suivi moi sur internet là. Bon, tant que je dis, moi sans pile cartouche capture. Bon, même pas comment ça va faire Haïti. Mais n'a suivre. Bon, d'abord même pas quoi conseil ça ca aborder des problèmes ça moi gain là. J'aime moi en pile. Moi la vie merci à terre moi lui-même. M'ba gon problème ki gon problème ki va résoudre vrai. M'ba comment va résoudre li? Ah. M'ba quoi gè changement pour Haïti même. Pourquoi ça? Raison haïtien pa konn sakre les met tête ensemble, ba yon tête ensemble vraiment. Un seul conseil m'da bay, sauf que ici pour Haïti. Cause de yo ki t'ap gèl quand blanc t'ap pran pays. Oui. Ça ton passé blanc. Et yo pou pran, c'est yo mette tout problème ça Haïti là konnya. Je pense que le problème Haïti est grave en pile. So, comme chaque fois, comme si yo ba yo moun dirige, je pense avec un conseil, il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs moun qui sont capables de you know, penser. Parce que pas un seul moun qui a dit fait ça. And then, yo, je pense que yo capable de finir en arriver à une solution. Qui dossier t'a pensé que conseil là doit attaquer en premier? Ah, question de sécurité, amen. Les gens qui sont pays, amen. Parce que, tant que les gens en Haïti, ils ont besoin de sécurité parce qu'ils ont besoin d'aller à l'activité, de vaquer l'activité, vous comprenez? Parce que vraiment, vrai, Haïtien pas vraiment dépend de l'État haïtien, vous comprenez? Ils dépend de l'activité qu'ils font. Le problème que nous-mêmes, nous Haïtiens, nous gagnons, c'est le problème. Les nous d'ailleurs, nous pourquoi dans le gouvernement, que nous avons besoin pays ya quand nous pat là qu'on y a nous vienne pas ouais pays encore qu'on y a nous ouais tête nous famille nos amis nous c'est ça nous ouais m'ta remet pays ya avancer mais pour moi même pas ouais qui monde capable faire l'avance except bon Dieu t'a choisi un monde et dit bon c'est monde ça qui me choisi qui ca font bail pour Haïti. Même si on reconnaît que défi ou en pile, citoyen ça on rive parler avec yo. Ta remen ouais conseil à passer à l'action. Moi c'est Luxon Saint-Ville depuis Miami, Fort Lauderdale, l'État Floride. Pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville et bien après retourner ou bien après aux États-Unis mais fois ça n'a vienne dans capitale fédérale américaine dans Washington DC côté consulat aux États-Unis gain pour décider si oui ou non. Un président ou bien un ancien président américain gain immunité pour crime qu'il a commis pendant qu'il était sous pouvoir Sandra Lemaire. Cour suprême États-Unis tendait jeudi dossier Donald Trump là qui c'est une tentative pour éviter la justice condamner lui pour effort il était fait pour renverser élection 2020. Il était perdu élection ça devant démocrate Joe Biden. Avocat Trump a présenté argument comme quoi ancien président t'a dû jouir immunité absolue pour activité officielle yo te mené. Yo dit si yo pas fait ça ancien président États-Unis t'a capable faire face à persécution pour raison politique. Yo ajouté président yo pas qu'à fonctionner comme commandant en chef si yo gen qu'à sauter pour moun pas traîner yo devant la justice pita. Maître spécial Michael Dreeben, qui est avocat accusation, hein, déclarait le fait que aucun autre président pour que j'aime faire face à accusation criminelle, soulignait le fait que c'est un bagage américain pour que j'aime constater, en parlant de essayer renverser résultat et aux élections que au président perdit. So Justice Thomas, I think this is a central question. The reason why there have not been prior criminal prosecutions is that there were not crimes. Monsieur dit donc juge Thomas, moi quoi c'est une question centrale. Raison qui fait aucun président pas de faire face à inculpation, c'est parce que il y a pas de commettre crime. Tribunal ordinaire rejeté argument Trump, parmi eux un panel 3 juges, dans un coup d'appel dans Washington côté tout juge yo te rejeté. Même si Cour suprême n'a pas fait même pareillement, moment li choisi pour prononcer décision li a aussi important que ça li décidé. Pour qui ça? C'est parce que Trump, qui est candidat présumé parti républicain pour présidence là en 2024, a ménagé fort pour faire yo renvoyer pour CA jusqu'à après élection novembre.
plus juge Cour suprême yo tardé dans présentation décision yo, c'est plus monsieur a bien chance pour remporter succès. Typiquement Cour suprême n'a publié dernier opinion liyo nan fin mois de juin qui c'est seulement 4 mois avant élection. Manifestants étaient rassemblés devant Cour suprême pour exprimer opinion yo. Il y a quelques qui étaient chantés ou pas qu'à cacher Cour suprême nous kawè côté fasciste. Et puis il y a l'autre qui était chanté « Tout le monde doit respecter loi pays ». Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité n'a toujours été aux États-Unis, mais une nouvelle qui concerne sa capacité de Moyen-Orient, côté la police aux États-Unis, dans plusieurs universités américaines, et bien opposé à ça sont sous plusieurs dizaines d'étudiants qui ont manifesté justement contre opération militaire Israël a mené dans le territoire Gaza à côté de Touye, d'après responsable palestinien ou bien ministère santé et palestinien, plus passer 34 000 monde mouri et puis fonan yo ces femmes avec Timoun. Nous pas d'une Serge François Michel. Étudiants en faveur palestinien protestaient dans l'université Columbia à New York. Même les administrateurs ont demandé pour craser quand yo. Des négociations qu'a faites sous Jean pour disperser foule là. Jeudi passé, plus passé 100 étudiants de jeune arrestation dans l'université dans tout le pays en manifestation. Faites normalement côté administrateur l'école yo en bas pression pour yo bloquer toute activité qui compte Israël. La Voix de l'Amérique était présent après arrestation jeudi passé dans l'université Columbia. Yo manifestants qui battaient les bains non lits étaient cités quelques dans réclamations étudiants. I'm here to demand a meeting. Les dix mois ici là, l'autre camarade moyo pour réclamer un campo tout de suite dans bataillon. On va voir aide humanitaire en Gaza. Professeur architecte Murray McLeod exprimé opinion ni sous mes universités apprend pour gérer manifestation. I don't know why. Les dix pas qu'on est pour qui ça yo doit venir avec la police, mais noter étudiant et pour qui ça yo pas qu'à accepter quelque tente côté étudiant. T'as fait manifestation totalement pacifique. Il y a un étudiant colombien qui identifie d'être lui comme juif argentin. Ouais, situation, il y a l'autre genre. Il dit ça fait nous paix en pile. Pas qu'à concentrer dans la classe là, parce que mon appris l'effort toute journée. On peut dire que c'est juif, parce que vous connaissez, là, yo c'est extrémiste. Yo levé pancarte qui supportait Hamas. Manifestation, yo t'es continué gaillé prendre l'autre campus dans les États-Unis. M'a dit, yon t'es gain, yon tante qui paraît dans l'université California, Berkeley, pour montrer support pour monde qui joue une arrestation dans l'université Columbia à Yale. Lundi, dans la capitale nation, un étudiant à American University a protesté contre politique interne qui, d'après eux, la cause manifestation en faveur palestinienne dans tout pays et déjà réduit liberté pour exprimer. Pendant ce temps, bilan monde qui mourait dans Gaza dépassait 34 000, d'après le ministère de Santé Gaza. Et pas un signe que la guerre entre Israël et Hamas la poêle finie avant longtemps. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Veronica Balderas Iglesias. Serge François Michel. VOA Creole. Il y a possibilité pour application chinoise, le TikTok, qui n'a pas fonctionné aux États-Unis. Après décision, le président Joe Biden et l'administration prend pour signer une proposition de loi que le Congrès a votée. Eh bien, dans le cas ça, le responsable TikTok a même dit que son bataille légale qui commençait, c'est Sergio Rodriguez. Dossier application TikTok là continue à occuper l'actualité depuis un certain temps ici aux États-Unis. Côté application, a gagné à peu près 170 millions d'abonnés. Dans ce sens, le Congrès États-Unis a déjà voté une proposition de loi que le président Joe Biden a déjà signée pour interdire l'utilisation TikTok sur le territoire américain parce que le gros responsable de la Maison-Blanche considère l'application comme une menace pour la sécurité nationale pays. Jake Sullivan, c'est conseiller de sécurité nationale, administration leader démocrate États-Unis. The terms of the bill are straightforward. TikTok article qui n'a proposition de loi sur TikTok là fait ou pas bois. Si l'application continue à proférer, j'en sais fait Kounia, il va déboucher sur un désinvestissement ou bien il va dépasser Dell et Nobalia. Kounia, nous centrer attention sur le côté désinvestissement qui donc suspend investir dans l'application. Mais en façon qui en accord avec intention loi, qui marche dans la logique qui est sautée sur la sécurité nationale États-Unis. Yon bagaille qui était débouché sous loi, si là, pour commencer. Sous vos paroles, pour parler de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre dit la Chine t'a doué quitter au vendre TikTok. Vous t'a doué permettre de vendre l'application. Pour ce qui concerne les lois, nous gagnons un petit temps devant nous. Nous avons pris de garder ce qui s'est passé. Nous croyons qu'il y a un investisseur américain qui est déjà intéressé dans la démarche pour acheter TikTok. Si vous parlez, il peut déjà TikTok chouchou, parlez pour dire, application en pape, payons pas quitter, yon panago. Rest assured,
Ma banon assurance c'est que TikTok pas pas aucun côté. Nous gain confiance en tête nous, nous pas continuer roumain pour droit nous dans tribunal. Faire qui dans constitution États-Unis en faveur nous et nous attendons à qu'on victoire une autre fois encore. Pendant ce temps, bataille qui met des gouvernements américains à clasher face pour face sur ce TikTok là a continué. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ma descente dans l'État Floride que je ne pas juste Judon c'est qu'a présenté un cinéaste haïtien. Vendredi qui s'est passé là, c'est dans African Heritage Cultural Arts Center dans ville Miami que Américain d'origine haïtienne Yanata Desouvre présenté au grand public deux films documentaires avec un recueil poésie basé sur l'histoire de la ville avec expérience qu'il fait avec haïtien dans diaspora. Yanata Desouvre, qui est un entrepreneur, poète et cinéaste, t'es dans le micro, VOA Creole, après qu'il t'ait présenté Zevli by public là. Ça nous a posté aujourd'hui, c'est un programme de films coûte. So premier film là c'est un great day in Harlem, deuxième film là c'est un great the sweetest girl. Après ça t'as une performance de Madame Janice Mueller qui joue violon, Jolie André Lee Beatrice qui danse pour un chant qui est Raise Me Up. So nous t'as encore un bel petit programme pour la communauté. Nous t'ai constaté présence Meka Grimaud Marcelin qui est professeur, acteur, poète dans la communauté haïtienne dans ville Miami. Il t'est venu participer dans la soirée. Nous t'ai parlé avec Meka Grimaud Marcelin qui t'a fait nous connaître, elle t'a joué une invitation, il pas ta capala. Et même me salue tout le monde là et moi j'ai un bon ami qui est Yanatha, son professeur dans Miami Dade College et il fait un film, il écrit livre et il t'a fait une émission là, un programme là qui relé Adrian Arch on the Road, Adrian Arch Center son gros comme si un gros building qui encadre artistes, danse tout bagage culturel. You know what I'm saying? Son professeur lié, son li gen tout contact sa yo. Son li même li vin montre film li, li gen deux films que li montre, li gen livre li, li vin parler avec nous comme professeur, li gen en pile comme si et puis connaissance tout. You know, so avec expérience. Son li vin parler avec communauté a, non un côté qui très historique et the American Heritage Cultural Arts. So comme poète moi-même, comme musicien, comme artiste, li vin supporter professeur Yanata parce que c'est bon ami et puis maintenant et l'autre projet que l'a fait est Future Son. On a un projet ça tout so vienne supporter tout bail que l'a fait. Suite à publication de films documentaires avec un livre poésie inspiré de la ville avec haïtien, nous demander Yanata Desouvre qui ça lui apprendre et que l'a voulu partager avec tout haïtien. Marcher ensemble, nous nous fait la force en pratique. Il pas toujours simple, il pas toujours easy, il pas toujours douce ou simple, but nous ka fait progrès. Si vous faites progrès, bagay ou ka changer. Non pam, c'est Judy Onsre pour VOA Creole dans ville Miami, État Floride. Eh bien mes amis, c'est avec ce programme ça, dernière information ça, Judy Onsre sur le présent entraîneur, que la mettez fin dans le programme, et la promesse tout le monde qui te porte contribution d'une façon ou l'autre, quel que soit à côté, et la promesse chef service à côté de tout, et collègue nous Jacqueline Bélizet, monsieur en vacances, monsieur pour quelques jours et nous souhaitons qu'elle a bien passé vacances à côté de là. On a remercié gentil Augustin avec Jean-Marc Abela qui était de mettre émission ça sous pied qui vient jeune là aujourd'hui et actualité à comme tu dis lycée installation conseil présidentiel transition hein, qui lui-même installé et États-Unis c'est parmi pays dans communauté internationale là, qui salue et conseil ça et qui dit il espère que et ça va déboucher quand même sur organisation élection. Nous disons bonsoir, passez bon après-midi, à demain.